Salut Anto. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, une machine filtre avec broyeur. Ouais. Alors, c'est un Sèvrin. Oui. C'est quoi cette machine? Ben, c'est une cafetière filtre avec broyeur, Sèvrin. Ouais, c'est quoi? Comment il s'appelle? C'est la K4810. K4810. Le nom du nom, c'est vraiment le nom de la cafetière. Ouais, donc on va dire que c'est la machine cafetière filtre avec broyeur par Sèvrin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial de cette machine? Pourquoi tu as décidé de le sortir pour le montrer? Alors, ben, tout d'abord, comme tu as dit, parce que cafetière filtre avec broyeur, ouais. Avec un broyeur à 28 positions. Ah, ça c'est pas mal, 28, ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Cafetière filtre programmable. Ça c'est encore très mieux. Bien. Qui va avec un filtre permanent, ils ont pensé le mettre. Ce qui est très bien, ça se donne une petite facilité, ouais. Voilà. Et ensuite la façade en inox brossé. Ah, ça c'est assez classe, hein. Ouais. Rester un peu dominant sur le truc, ça c'est classe. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la machine et on va goûter le résultat. Allez, c'est parti. Donc déjà, tiens, capacité de l'eau, 1,25 L. 1,25 L, voilà, donc ça, c'est du disque instas, d'ailleurs tu peux voir, tu as un indicateur de niveau. Ça c'est bien. Côté. Alors, c'est souvent la question qu'on se pose quand on a des machines avec broyeur. Mm-hmm. Quand on choisit le nombre de tasses, on choisit le nombre de tasses en façade. Mm-hmm. Et ensuite, l'eau, est-ce que ça prend l'eau en fonction du nombre de tasses que tu as choisi? Faut que tu mettes la bonne quantité d'eau. D'accord, donc tu mets la quantité d'eau et ensuite tu choisis voilà. Le nombre de tasses correspondant. C'est ça. Ça ne va pas le faire automatiquement. Non. C'est important de le dire parce que sinon des surprises, tu as ouais. un café un peu trop flotteux. C'est ça. D'accord, ok, bon, 1,25. Voilà, 1,25 L. C'est très bien. Bac à grains, j'ai pu mettre jusqu'à 250 grammes de je peux café. Vas-y, vas-y. Bon. Voilà, ah, donc on a un joint d'étanchéité en plus. Joint d'étanchéité. Et il est très bien fumé. Il est plus que fumé, oui. Donc bon, c'est opaque, comme ça, ça va protéger le grain encore plus longtemps. Mmh. Et 250 grammes, il est bien rempli. Oui. Mais si tu as réussi à mettre un poche entière de café, c'est un très très bon point. Ouais. Voilà. Le joint d'étanchéité, c'est encore mieux. Donc, le 28 positions pour régler l'écartement entre les deux meules. Ça, c'est voilà, très bien. Je pense que c'est des meules coniques, oui, classiques, standard. Donc, alors, sur les 28 positions, est-ce que tu as réussi à trouver ce que tu voulais sur les 28 positions? Tu es plus... Ouais, je suis proche du plus fin. J'ai mis un petit peu avant. Oh, d'accord. Voilà, c'est moi qui... C'est en fonction de mes goûts. Mais sinon, voilà, ça permet... 28 positions, ça permet en fonction ouais, du café et de nos goûts de vraiment choisir... De trouver le broyage parfait. C'est ça. Ok. Ensuite, panneau de contrôle. Panneau de contrôle, donc tu vois, avec un petit écran, bon, simple mais efficace. Donc du coup, avec ce cafetière, donc elle est programmable. Donc, tu vas forcément régler l'heure de base, ainsi ouais. que l'heure où laquelle tu veux la programmer. Tu as la possibilité de mettre directement du café moulu. D'accord. Ou du déca, ouais, tu verses remontilé. Directement, très bien. Donc, tu verses directement là. Et ensuite, tu as trois intensités du café. Qui vont jouer en fait sur la quantité qui va être moulue. D'accord, donc tu as déjà le nombre de tasses que tu es en train de choisir qui va donner la somme de ouais. café par tasse. Et derrière, tu as aussi l'intensité qui va ajouter un petit peu plus par tasse. Voilà. D'accord. Ok. Tout ça tombe dans un filtre que je posais derrière. Il est ici. T'as un petit bouton pour la place. Vas-y, le petit bouton sur le côté. Ils ont mis ça pour éviter de mettre du café un peu partout et de l'eau. Ça, c'est bien pensé, pas mal. Ça. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Et filtre permanent. Filtre permanent, donc c'est en nylon. Oui. Voilà. Ok, standard pour du filtre permanent. Est-ce qu'on peut mettre on peut forcément mettre des filtres standards oui. avec oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, je préfère parce que le filtre permanent, c'est très bien parce que ça t'évite de tout le temps changer de mettre tout le temps un nouveau papier. Mais par contre, tu n'arriveras jamais à avoir un filtre, des fils qui soient aussi maillés que du papier. Oui, donc forcément. Tu auras toujours un petit peu plus de sédiments oui. Qu'avec du papier. Mais l'avantage du filtre permanent, c'est qu'on n'oublie jamais de mettre le filtre, n'est-ce pas, Antoine? N'est-ce pas, Philippe? Oui. Bon, parce qu'on a déjà eu quelques accidents dans la salle avec, en oubliant de mettre le filtre. Donc, ouais. le petit effet de, pour empêcher que ça en met partout pour le mouture, c'est bien. C'est donc, ça. Du coup, on a un trappe à mouture sous le dessus. Oui. Et le système de percolation, on a quoi? On a trois trous, en fait. C'est classique sur ce genre de cafetière. Pour l'instant, tu n'as pas de système à douchette. D'accord. Par manque de place, sûrement. Ils n'ont pas encore l'innovation, peut-être d'avoir un système qui pivote après le broyage. Alors, en fait, là, tu n'as pas la place. Ça serait trop près de l'ouverture de l'évacuation du café moulu.
Et ça pourrait justement que le café se colle avec l'humidité et bloquer la machine, quoi. D'accord. Donc, on est vraiment sur un système de goutte à goutte Voilà, standard. Mais bon, on a la on a la café fraîcheur fraîchement qui moulu, rattrape. donc ça rattrape un Tout peu à fait. l'effet. Ok. Donc, filtre versus en En verre verre, standard. voilà, classique. Et Et non, c'est la même résistance. c'est la même résistance Ouais. pour le chauffe. Voilà. Mais bon, c'est moins grave vu qu'il y a la programmation de tes sens. En général, tu programmes ta cafetière pour que ton café soit prêt au moment où tu veux, donc c'est moins grave. Ouais. Faut juste penser à éteindre, enfin à l'arrêter et sortir la verseuse. Ouais, parce que forcément, le plus longtemps qu'on laisse une carafe en verre sur un élément chauffant, ça va brûler le café C'est et ça va ça. être Surtout que clairement c'est la moins même bon. résistance pour ça. Ça Ouais. aurait été une double résistance, ouais, moins grave, mais là. Ouais, même résistance, c'est ça le problème. Donc, est-ce que tu peux nous faire, enfin, tu vas nous lancer petit café et Allez. on va revenir dans quoi, dans 10 Dix. minutes? Ouais, c'est ça, dans 10 minutes. 10 minutes et on va goûter tout ça? Ouais, Exactement. parfait. À tout à l'heure. Mais. Et de retour, ça sent Ouais. bon. On va goûter? Ouais, carrément. Donc, ça a fait un peu de bruit le broyeur, faut reconnaître. Parce que ça a broyé suffisamment de café pour 10 tasses, donc ça a mis un peu de temps et ça a fait un peu de bruit. Mais on n'attend pas ces machines d'être silencieux, donc c'est pas très grave. Et on voit bien le Ouais, tu vois, café fraîchement on voit broyé. bien les espèces de pellicules qu'il y a dessus, c'est l'huile du café, donc ça veut dire qu'il y a une bonne extraction et avec du café frais et Fraîchement, fraîchement fraîchement torréfié, moulu. fraîchement moulu. C'est ça qui est bon. Ça sent super bon. On a vraiment les arômes d'un café fraîchement moulu. C'est vraiment très 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 bon. Alors, au final, cette machine programmable, donc du coup, c'est parfait pour avoir du café fraîchement moulu le matin quand on se lève, on programme l'élément la veille. Pas oublier de mettre la somme d'eau pour la somme de café qu'on va choisir en fonction, parce que ça va pas prendre, ça Ça. va vider tout le réservoir et prendre juste l'eau qu'il faut. Donc ça, c'est un élément à pas oublier. Donc c'est rare les machines qui font ça. Donc c'est faut le dire. Et le filtre permanent, ce qui a son petit effet aussi, donc c'est vraiment pas mal. Donc merci beaucoup Antoine de m'avoir montré ce serin, il est très bien. Donc je te dis à la prochaine. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles Donc en sont vrai. toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, Il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais C'est si ça. t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est c'est là là que ça se passe.